J'espère que vous allez tous très bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la suite d'Amour Secret. Donc voilà, là je fais la partie 2 et la semaine prochaine il y aura la partie 3. Du coup voilà, je pense que vous avez vu, j'avais fait un sondage dans la communauté pour vous demander ce que vous préférez entre Divers, entre Sims 4 et entre Amour Secret. Et vous avez voté pour Sims 4 parce que j'ai fait 2 votes en tout. J'ai fait 2 sondages en tout. J'ai fait le sondage avec Sims 4, Amour Sucré et Divers. Et vous avez voté pour Divers et pour Sims 4. Et du coup, bah, c'est Sims 4 qui a gagné. Voilà. Mais j'ai bien dit dans la vidéo, dans la description de la dernière vidéo que j'ai faite, que je n'arrêterai pas Amour Sucré, mais que je continuerai jusque la fin de High School Life. Et que je vous demanderai à la fin. Je vous demanderai. Non, je vous demanderai à la fin. Si vous voulez que je continue Campus Life ou pas, et vous me direz, voilà, j'en sais rien, ou, comme ça, je changerai peut-être avec un autre jeu. Voilà, je ferai plus Amour Secret, je ferai autre chose, enfin bref, vous avez compris ou quoi. Vous me direz en commentaire de toute façon. Donc voilà, j'arrête de blabater et on y va. Let's go! Salut! Dis des vents, t'aurais pas vu un piaf ou un écureuil? Non, pourquoi? C'est demandé dans la liste. Nous devons trouver un habitant de la forêt. Et comme les insectes ne sont pas acceptés, ils veulent qu'on attrape un animal. Ils sont sérieux? Si tu trouves un moyen de choper un piaf, pense à nous. J'y penserai. Vous n'auriez pas vu Ambre? Non, elle doit pas être loin. Personne n'a réussi à passer la deuxième étape. D'accord, merci. Croisement, départ, deuxième étape. Ah, bon bah, croisement. Voilà. Oh, c'est quoi ça? Emballage de chips. Ah. Parle à Ambre de la perte de Monsieur Farès au cas où. Oui. Oui. Près du rocher, près de la souche. Salut vous deux! Vous n'auriez pas vu un habitant de la forêt? On en cherche un depuis tout à l'heure. Non, nous n'avons pas encore cherché. Nous devons trouver Ambre avant. Il y est marqué que vous devez trouver Ambre pour la course. Elle est bizarre votre liste. Mais non, ça n'a rien à voir. T'as fumé, Iris? On la cherche parce qu'elle a encore fait des siennes, pas parce que c'est demandé dans la course. Mais l'idée de mettre Ambre dans un sac ne me déplaît pas. C'est une idée. Dommage qu'on n'ait qu'un bocal. Vous voulez qu'on vous aide? Si on voit Ambre, on pourra lui en parler. Oui, ça serait sympa. Faisons comme ça alors. Il y a encore un truc. Ok. Ok. Le grand arbre. Le grand arbre. Waouh, cet arbre est immense. Tu t'extasies pour pas grand-chose. Oh, ça va, hein. Putain, on trouve plein de trucs là. C'est chaud. Toujours pas trouvé Ambre? Non, pas encore. J'espère qu'elle n'est pas passée à l'étape suivante. Je ne pense pas. Tout le monde a du mal à trouver un habitant de la forêt. Je crois que les professeurs ont caché ça quelque part exprès, mais personne n'a encore mis la main dessus. J'espère que tu as raison. Il n'y a plus rien là. C'est qui? Oh, Monsieur Farès, vous avez laissé passer? J'en étais sûre. Ah. Oh, Monsieur Farès, vous avez laissé passer? J'en étais sûre. C'est toi qui lui as volé le tampon. Ah, bête pas. Je ne vois pas du tout de quoi tu parles. Espèce de... T'arrêtes tes conneries, ouais. J'ai pas pour habitude de frapper les filles, mais je suis prêt à faire une exception pour toi, hein.
Ne t'énerve pas, Castiel, ce n'était qu'une petite blague de rien du tout. Elles n'ont rien de marrant, tes blagues. Je veux bien vous dire où j'ai laissé ce fichu tampon si vous me donnez le seul objet qui nous manque pour passer à l'étape suivante. Qu'est-ce qu'il te manque? Un habitant de la forêt. Il n'y a que des feuilles et des insectes ici. On ne trouve rien. Ouais, non, j'ai non. Je vais. Non, tu vas te débrouiller comme une grande. On va trouver le tampon toute seule. Tu nous as pris pourquoi, t'es larbin? Viens, dévange. Je vais finir par être vulgaire. Pauvre Ambre, ce n'était pas malin de sa part. Elle n'est pas remontée dans l'estime de Gastiel. Près du rocher, près de la touche, nanana. Près de la souche. C'est quoi ça? Canette. Très intéressant. Bouteille. Très intéressant. Ok. Mais nous n'avons toujours pas trouvé. Je me demande où on va pu laisser le tampon. Très bonne idée. Très très bonne idée. Ils se moquent de nous, moi je dis. Qui ça? Les profs! On a galéré à choper un écureuil, mais ils ont dit que ça comptait pas. Faut trouver un truc mis exprès dans la forêt, là. J'en fais quoi, maintenant, de cet écureuil? Relâche-le. J'ai galéré à l'attraper, je vais pas le lâcher comme ça. Canette. Mais y'a que ça! Baissez le son, parce que les oreilles... aïe. Croisement, départ de deuxième étape. Je sais pas, moi. Alors, vous avez trouvé Ambre? Oui, maintenant nous cherchons le tampon de Monsieur Farez. Ça tombe bien, on l'a justement trouvé. Il était près d'une souche d'arbre. Tiens! Merci beaucoup, Iris. Bon, bah, on retourne voir Monsieur Farez. Près du ruisseau, près de la souche, près du rocher, près du ruisseau. On va aller près de la souche, croisement. Ah! On tourne en rond, en fait, là. Ok, c'est par là, alors. Kim n'est vraiment pas contente. C'est ce que j'avais cru comprendre, oui. Je me demande ce que... J'arrive plus à faire sa voix, ça m'énerve. Je me demande ce que l'on va... Je me demande ce que l'on doit trouver. Si ce n'est pas un insecte, ni un animal vivant. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Je sais pas. Je ne sais rien. Et je n'y connais rien. Ok. Qu'est-ce que je vais dire à la directrice? C'est bon, monsieur Farez, nous avons trouvé le tampon. Vraiment? Dieu soit loué, je n'avais pas fait de vieux os sans ça. Est-ce que je suis la seule à ne pas avoir compris la phrase? C'est une expression, je suppose. Vraiment? Dieu soit loué, je n'aurais pas fait de vieux os sans ça. J'ai redonné le tampon à monsieur Farez. Tendez-moi votre main. Bien, vous pouvez commencer la deuxième étape maintenant. N'oubliez pas de venir me voir lorsque vous aurez tout ce qu'il faut. Il nous a passé le tampon sur le dos de la main. Bien, passons aux choses sérieuses maintenant. Bon, la porte. Stop. Merci. Oui, je parle à une porte, je suis normale. C'est parce qu'elle bouge que j'ai un courant d'air. C'est très chiant. Alors, nous devons trouver un objet créé par l'homme, quelque chose de brillant, une feuille de la taille d'une main, un habitant de la forêt, une empreinte et un insecte. Waouh, ça fait beaucoup. Et comme nous devons trouver un insecte, ces derniers ne sont pas compris dans la catégorie un habitant de la forêt. Bah oui, forcément. Quelque chose créé par l'homme. Autant commencer par ça. Ça m'a l'air d'être le truc le plus barbant à trouver. Si tu veux. Créé par l'homme. Donc, ça doit être un rocher, mais genre un outil rocher, tu sais. Genre, je sais pas. Départ, deuxième étape. Non, on va croisement. Parce qu'en fait, on doit d'abord chercher des trucs pour la deuxième étape, justement. Alors, trouve tous les objets de la liste et retourne voir Monsieur Farès. Trouve quelque chose créé par l'homme. Je trouve quelque chose créé par l'homme. Près de la souche. Un couteau. Petit canif. Bah, apparemment, c'est pas ça. Bien, on a l'objet créé par l'homme. Ah bah si, c'est ça. Ok. Un petit canif.
Je sais pas qu'il l'a oublié là, mais au moins il aurait servi à quelque chose. Maintenant, faut trouver quelque chose qui brille. Oui. Qui brille. J'adore les choses qui brillent, ça va être facile. On devrait regarder près du ruisseau. Tu sais, des fois on trouve des pierres qui brillent un peu. Ça devrait suffire. Oui, on n'a pas regardé là-bas. On va jeter un coup d'œil. Près du ruisseau, il avait dit. Oh, ça brille. J'ai des yeux. des croisements. Près du rocher, près du ruisseau, près du... Génial! Nous avons fini par trouver quelque chose qui brille. On a trouvé un petit canif et une pépite bidon. Je sais pas ce que les autres ont trouvé, mais ça ne risque pas d'être aussi nul que ce qu'on a de ce que ce papouchi c'est quoi. On a trouvé un petit canif et une petite bidon. Une petite bidon. Petite bidon. On a trouvé un petit canif et une pépite bidon. Je sais pas ce que les autres ont trouvé, mais ça ne risque pas d'être aussi nul que ce qu'on a ramassé. On ne doit pas faire la fine bouche. Au moins, nous avons deux objets sur le 6. Sur 6, pas sur 6. Ouais, pas faux. Faut trouver quoi maintenant? Une feuille de la laine d'une main. Cool, ça devrait être moins compliqué à trouver. Reste plus qu'à trouver un arbre avec des feuilles assez grandes. Bah, le grand arbre. Je vois pas d'autre truc. Et bah non, c'est pas là. Ah si, c'est là. Ah bah non, c'est pas là. C'est quoi ça alors? Je ne sais pas. C'est pas si mal en fait, c'est sorti en forêt. Ah, tant mieux alors. J'avais peur que tu t'ennuies avec moi. Je sais pas. Ah, tant mieux alors. J'avais peur que tu t'ennuies avec moi. Si tu m'avais ennuyé, je t'aurais déjà semé. Tu dis ça sérieusement? J'y ai pensé, ouais. Mais comme ça se passe bien, y a pas de raison. Ah, Castiel. Ouais, ok. Mais je ne sais pas où trouver une feuille avec assez. Un arbre avec assez de feuilles. Mais c'est ça! Trouve tous les objets de la liste et retourne voir Monsieur Farès. Trouve une feuille d'arbre de la taille d'une main. Ah, mais c'est ça, c'est bon, j'ai trouvé. Ok, nous avons une feuille assez grande. C'est bon. Et maintenant, on doit trouver un habitant de la forêt, je crois. Oui, parce que tout le monde a du mal à trouver. Il va falloir être meilleur que tout le monde, alors. On sait au moins que c'est un truc mis exprès par les profs. Si c'est Farès qui a caché ça, ça devrait pas être compliqué à retrouver. J'espère que t'as raison. Ouais. Parce que apparemment c'est dur. Oh, petit lapin! Lapin en plastique! Ah bah c'est le lapin en plastique. Ah bah voilà. On a trouvé. Bon sang! Il était bien caché, ce lapin en plastique. Je l'ai trouvé en 2 secondes. Je n'ai pas cherché beaucoup, hein. Il y avait encore plein de trucs de ce genre dans le terrier. On est sûrement les premiers à l'avoir trouvé. Si c'est pas la classe, ça. Ouais, du coup, il ne nous reste plus que 2 choses à trouver. C'est quoi la suite? Une empreinte. Comment ils veulent qu'on emporte une empreinte? Ils nous ont donné une feuille et un crayon. C'est sûrement pour en faire un dessin. Dans ce cas-là, Violette a une longueur d'avance. Clairement. Je suis sûre qu'ils n'attendent pas une œuvre d'art. Faut juste trouver une empreinte à dessiner. Mais le sol est sec, il n'y a rien. Arrête un peu de te plaindre, on a réussi jusque là, je vois pas pourquoi on bloquerait maintenant. Ok, cherchons une empreinte alors. Où on pourrait trouver une empreinte? Près du ruisseau peut-être? Parce qu'il y a un chemin là. Il y a un petit chemin. Non, c'est pas là. Près du rocher. Mais on a déjà été par là. On a déjà été par là, le grand arbre. Bah tiens, comme on n'a rien de banal dans notre liste, on va continuer sur notre lancée. Puisqu'ils veulent une empreinte, on n'a qu'à en prendre une de l'arbre. De l'arbre? Ouais, t'as jamais fait ça quand t'étais gamine. Tu poses une feuille sur le tronc de l'arbre,
tu repasses au crayon dessus et ça te fait l'empreinte sur la feuille. Tu crois que ça leur ira? Ouais, j'en suis sûre. Ok, je tente le coup alors. J'ai pris la feuille et le crayon. Une fois la feuille posée sur le tronc de l'arbre, j'ai gribouillé dessus pour que l'écorce s'y dessine toute seule. Et voilà! Super! Il nous reste plus qu'à trouver un seul truc et c'est bon. On peut passer à l'étape suivante. Oui! On doit trouver un insecte maintenant. Alors, c'est parti! C'est parti pour trouver un insecte. Je suis sûre que c'est près du rocher. Ah non, j'ai trouvé. Scarabée enfermé. C'est bon, nous avons l'insecte. Un scarabée. Enfin, faut aller voir Monsieur Farès maintenant, qu'on puisse passer à l'étape suivante. Oui, allons-y. C'est parti. Vous venez demander un indice? Non, nous avons tout trouvé. Vraiment? Faites-moi voir tout ça. Oh, vous avez même le petit lapin. J'ai fini par croire qu'il a été trop difficile à trouver. Je suis rassurée. Il a repris tous les objets de la liste. Mais, dégage. Hé, je vais vous conduire à la dernière étape maintenant. Suivez-moi. Nous avons suivi Monsieur Farès. Voilà, c'est ici. Bonne chance pour la suite. Merci. Vous voilà. Dajan, c'est toi qui t'occupes de la dernière partie? Ouais, j'aime le sport, mais en faire en forêt, ce n'est pas vraiment mon truc. Ah, je vois. Qu'est-ce qu'on doit faire alors? Il y a gravé sur certains arbres ou ailleurs des lettres. Vous devez toutes les noter et revenir me voir pour me dire quels mots elles forment. À ce moment-là, vous pourrez sortir de la forêt et remporter votre prix. Ok. Des lettres. Ok. Bonne chance. Merci. Je pense qu'on va s'arrêter là. Voilà. On fera la suite plus tard. Donc voilà, j'espère vraiment que ça vous a plu. Hein. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un petit like. Ça ferait très très plaisir. Mais vraiment, mettez beaucoup de likes. Vraiment beaucoup. Parce que je vois qu'il y a beaucoup de vues, mais il n'y a pas beaucoup de likes. Donc si vraiment vous aimez la vidéo, mettez un like. S'il vous plaît. Et si vous aimez pas, bah comme vous voulez, j'en sais rien. Voilà. N'hésitez pas à activer la petite cloche, c'est très très important aussi pour recevoir les notifications de mes vidéos. Et je vais bientôt faire une vidéo pour mon PC à la fin de l'année. Voilà. J'ai trop hâte. Et pour les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner. Ça me ferait vraiment très plaisir aussi. Voilà. Bisous.